Comment va de la lumière? C'est bon. C'est bon? C'est joli les logos là. Ah, hein. Qui a fait ça? Gloire à Dieu. Et les couleurs. Les couleurs aussi. Tu as vu le texte que je t'ai donné? Hein? Galates 23, 23, 29. C'est vraiment une bonne conclusion. Amen. Ouais. On peut annoncer qu'on peut parler de ça et puis on peut aussi parler de ça. On peut parler aussi de la dîme, mais aussi on peut peut-être conclure avec le verset, la conclusion du chapitre 3. On est déjà live. Hein? Ah, ok. Ça ne veut pas. Je voudrais inviter quelques personnes encore. Comme on est. On a quelques minutes. The Amazing Grace. Ah, sweet song. The soul of the rich like me. Yes, Lord. I was lost, but now I'm found, and I was blind, but now I see. Thank you, Lord Jesus. Let your glory and praise be to you. Merci, Seigneur. Que la gloire et la louange et la bénédiction soient à toi. Toi qui nous as sauvés, qui nous as rachetés de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre roi. C'est par la grâce que nous venons, Seigneur. Mercy gathered, mended and whole. So take this heart, Lord, à ton nom, Seigneur. I'll be your vessel. Now what you see, your love in merci, me. Seigneur. Oh oui, Seigneur. Amazing grace. Béni soit ton nom. Sweet, soyez. Les bienvenus sur notre programme
hebdomadaire, Léandre et André. Ah, pasteur, vous m'entendez bien? Ok. Nous allons commencer par une prière. Pasteur, si vous pouvez prier comme de coutume, prier comme de coutume pour recommander le programme au Seigneur et recommander tous les bien-aimés qui vont nous joindre, les recommander au Seigneur. On va prier. Éternel grand Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de parler au travers de nous, d'encourager tes enfants, tes serviteurs, tous nos auditeurs partout où ils se trouvent. Que ton Esprit Saint nous dirige et que tout ce qui se dira ici vienne de toi, pas de nous. Que tout ce qui se dira ici vienne de ta parole. Donc, je te demande de protéger ce moment ensemble avec le pasteur André, avec moi, avec toutes nos familles. Que ton nom soit élevé et exalté au travers du cœur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ok, nous allons un peu arrêter cette belle mélodie. Il est temps que nous puissions. Salut, bien-aimés, et merci d'avoir d'être connecté à notre programme hebdomadaire, le programme que nous appelons Léandre et André, mais où nous parlons de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une grâce surprenante. Et en anglais, on dit amazing. Et aujourd'hui, nous avons intitulé le thème ou le sujet que nous allons débattre, la malédiction, non, sous la malédiction ou sous la bénédiction. Donc, c'est à nous à choisir, parce que soit nous vivons sous la malédiction ou bien nous vivons sous la bénédiction. Et nous voulons vraiment d'abord nous humilier devant Dieu et dire que nous ne prétendons pas être les meilleurs, mais nous pensons que c'est un sujet que nous pensons qui n'a pas sa place, la place qui doit lui revenir dans l'Église, dans le message de l'Église. La grâce a perdu la place, et je pense que c'est une place de préséance, c'est une place prioritaire que devait avoir dans l'Église, parce que si nous commençons, nous avons commencé par la grâce, il faudra aussi que nous puissions continuer avec la grâce et terminer par la grâce. Malheureusement, nous sentons, nous voyons que nous avons commencé par la grâce quand nous étions sauvés, et finalement nous voulons continuer par la loi. Et c'est le thème que Galates est en train d'aborder. Alors je pense à partir du troisième chapitre, Galates est en train de parler de ça. Le choix entre la grâce et la loi. Pasteur, vous avez votre mot d'introduction. Oui, tout d'abord, en lisant le titre
de notre discussion de ce soir, sous la malédiction ou sous la bénédiction, déjà le titre dit beaucoup. Alors, nous devons comprendre que nous avons été créés par Dieu. Et si nous existons, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est Dieu qui est notre créateur. Et c'est lui qui détermine même notre façon de vivre. Amen. Alors, en tant que créateur, il nous a créés pourquoi? Il nous a créés pour son propre plaisir. Il n'avait pas besoin de nous parce qu'il est Dieu et il existe en lui-même. Il n'a pas de besoin en lui. Donc, s'il a créé l'homme, c'était pour son propre plaisir. Et nous n'avons rien ajouté à son existence. Alors, nous pouvons dire que si lui n'a pas besoin de nous, mais nous, nous avons besoin de lui. Alors, il nous a aussi montré comment nous pouvons nous approcher de lui en tant que notre créateur, parce qu'il désire une relation avec nous. Et c'est pourquoi nous avons la parole de Dieu, nous avons la Bible, où il nous décrit. Il se révèle lui-même. Il nous révèle sa volonté, il nous révèle qui il est, il nous révèle son plan, ses désirs. Et c'est pourquoi il nous a donné sa parole pour nous aider à mieux le comprendre et le connaître, pour que nous puissions mieux nous approcher de lui et développer une relation personnelle avec lui. Donc, c'est Dieu qui détermine les termes. Alors, dans la parole de Dieu, nous savons tous l'histoire d'Adam et d'Ève, nous savons l'histoire de Noé, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Après Abraham, nous avons Moïse et... et Joseph plutôt, Isaac, Joseph, et puis nous avons Moïse, et nous avons maintenant Dieu, voulant se révéler, il a choisi une personne, dans la personne d'Abraham. Et à Abraham, il a donné un fils, Isaac, et à Isaac, il a donné deux enfants. Ésaü et Jacob. Mais alors, il a choisi parmi ses deux enfants, Jacob, et avec Jacob, il a commencé la nation juive. Donc, nous voyons maintenant sa stratégie, ou bien ce que Dieu est en train de faire. Il choisit Abraham pour se révéler à nous, et il conduit à Abraham. Il l'appelle de là où il était jusqu'à la terre promise, à la terre promise. Alors, il lui donne un enfant, et de cet enfant, comme je viens de le dire, il a deux enfants. Alors, il n'a pas choisi Ésaü, l'aîné, et il a choisi Jacob. À Jacob, nous avons les 12 tribus d'Israël. Et à Israël, maintenant, nous avons le Messie, Christ, la révélation. Donc, Dieu est en train de se révéler à nous, avec les gens qu'il avait choisis. Maintenant, lorsqu'il donne les 10 commandements, c'était pour nous montrer comment est-ce qu'il voulait que nous puissions être en communion avec lui. Alors, c'est ça la discussion de la loi et de la grâce. Oui. Parce qu'il avait donné la loi par Moïse dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons Christ qui est venu et qui avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et c'est là où il y a une confusion. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Avant Christ, avant la mort de Jésus-Christ, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection,
Donc, c'est la loi qui dominait, mais la loi n'était pas capable de nous sauver. Oui. C'est pourquoi nous avions besoin de Christ. Parce que sous la loi, on était sous la malédiction parce qu'on ne pouvait pas, à aucun cas satisfaire Dieu et obéir à cette loi à 100%. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que nous étions sous la malédiction. Et nous le voyons dans le chapitre 3. Donc, lorsque notre thème dit, encore une fois, qu'est-ce que notre thème nous dit là? Sous la malédiction. Sous la malédiction ou sous la bénédiction. Bon, pour moi, je considère que sous la loi, avant que Christ vienne, et lorsque on essayait, les enfants d'Israël, et cherchaient à obéir à la loi, ils étaient sous la malédiction. Et il y a un verset qui le dit. Dans Galates. Un verset qui le dit, en Galates chapitre 3. Il dit que... Maudit soit quiconque, c'est ça? Oui, oui, au verset 10. Au verset 10, il nous dit que « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, et il se réfère à Deutéronome chapitre 27, verset 26, il dit que « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est tout ce qui est écrit dans les livres de la loi, ne le met pas en pratique. » Voilà. Wow. Alors, sous la loi, on était sous la malédiction. Maintenant, lorsqu'on la grâce nous donne la bénédiction. Donc, je voudrais que les gens pensent en ceci. La loi, on est sous la malédiction. Grâce, on est sous la bénédiction. Amen. Voilà. Amen. Et c'est ça la bonne nouvelle. Maintenant, vraiment, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, pasteur, d'après ce que j'observe, je ne sais pas, je dois un peu discuter. C'est ainsi que bien-aimés, vous qui avez l'occasion de nous suivre, qui avez le temps de nous suivre, d'abord, nous vous remercions. Mais si, dans ce que nous disons, vous trouvez qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas ou que vous voulez un peu nous éclairer, vos commentaires sont donc les bienvenus parce que ça va nous aider à avancer encore, aller plus loin. Parce que d'après moi, l'impression que j'ai, c'est comme si la loi et la grâce cohabitent chez les chrétiens. Est-ce que c'est possible que, ou bien est-ce que c'est normal que la loi et la grâce cohabitent? Non, c'est pas ça. Alors, parce que nous devons nous référer à la parole de Dieu. Et je crois que ça serait mieux même de lire la conclusion au chapitre 3 de Galates. OK. À partir du verset 23 jusqu'à 29. Parce que là, on va nous donner le rôle de la loi et le rôle de la grâce. Ça, c'est merveilleux. Nous pouvons lire ça, pasteur? Oui, nous pouvons lire. OK. On va lire Galates au chapitre 3, à partir du verset 23. Verset 23? Oui, verset 23. 23 jusqu'à 29. Est-ce qu'on peut lire verset par verset, pasteur, pour que après, c'est bon. Oui, verset par verset. Donc, avant que la loi vînt, nous étions... Non, qu'est-ce que j'ai dit? Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, à un moment donné, il y avait la loi, et il dit ici que avant que la loi vînt, la foi. Nous étions, donc c'est dans le passé, nous étions enfermés
sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, on parle de la loi et de la foi. Oui. Et je veux dire à nos auditeurs, lorsqu'on parle de la foi, on parle de la grâce. Amen. Alors maintenant, il va continuer cette idée-là. Il va nous donner la place, le rôle de la loi lorsque nous étions enfermés et le rôle de la grâce après ce qui s'est passé. Au verset 24, la parole dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. » Voilà. « Afin que nous fissions justifiés par la foi. » Afin que nous puissions être justifiés par la foi, et il est dit pas par les œuvres. Par la foi, mais pas par les œuvres. Ça, c'est même, ça veut dire que pas par la loi. Non, pas par la loi. Mais par la foi. Et parce qu'il dit qu'ainsi la loi a été comme un pédagogue. Un pédagogue. Un pédagogue, c'est un enseignant. Un enseignant. Voilà. Qui nous surveillait et qui a intelligemment nous a amené à la foi. Voilà. Soit à la grâce. Voilà. Alors, pour que nous fissions justifiés par la foi, c'est-à-dire par la grâce, par ce que Jésus-Christ a accompli, nous sommes justifiés en croyant. Oui. Alors, c'est comme s'il disait le but de la loi comme pédagogue, c'était pour nous révéler notre état de pécheur. Oui. Et pour que cela puisse nous amener à Christ par la grâce au travers la foi. Amen. Bon, le pédagogue, la loi est venue nous démontrer que nous étions des pécheurs et que nous étions incapables de nous sauver nous-mêmes. OK. Donc, maintenant que la foi est là, voilà. Maintenant que la grâce est là, voilà. Nous ne sommes plus obligés, ou bien, même pas obligés, mais nous ne devons plus vivre maintenant sous le pédagogue. Voilà. Parce qu'au verset 25, il dit, « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces pédagogues. » Voilà. Nous ne sommes plus ce pédagogue, c'est qui? C'est la loi. Amen. Nous ne sommes plus sous la loi et les demandes de la loi. Car, je dis 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Voilà. Parce que, pasteur, ici, oui. Paul est en train d'écrire aux églises de Galates, et c'est comme si après qu'il ait enseigné l'évangile de la grâce, les prosélytes sont venus derrière lui pour encore une fois proclamer et mettre les païens sous la loi. Et pourtant, on parle maintenant que Christ était déjà mort. Quand on parle des païens, ça ne veut pas dire des incroyants. Des incroyants. Ce sont des étrangers à la nation d'Israël. Voilà. Voilà. Des gentils. Des gentils. Voilà. Alors, il voulait les mettre sous la loi encore. Et pourtant, Christ était déjà venu pour faire pour eux ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Pour être acceptable à Dieu. C'est ça le nœud du problème, pasteur. Okay. Qu'est-ce qui fait que nous soyons acceptés par Dieu ou bien satisfaire la demande de justice de Dieu? Car nous avons péché et nous sommes privés de sa gloire. Qu'est-ce que nous devons faire pour être pardonnés, être acceptés, être déclarés justes devant Dieu, être justifiés et pas être condamné, être déclaré coupable? Qu'est-ce que nous devons faire? Sous la loi, on ne pouvait pas le faire. Alors, la loi comme pédagogue nous a seulement montré que nous étions des pécheurs et que nous étions sous la malédiction et que nous devrions aller en enfer, loin de Dieu. Maintenant, la grâce
Alors, lorsqu'on parle de la grâce, on doit absolument parler de l'œuvre de la croix. Amen. Que Christ a accompli pour nous, pour satisfaire la Amen. Demande de justice de Dieu à Amen. Notre place, pour que nous soyons acceptables à Dieu. Donc, pasteur, j'essaie de résumer pour voir si je vous ai compris. Ouais. Donc, quand Christ est venu, Christ dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Non. Mais il est venu pour l'accomplir. Oui, oui. Ayant accompli la loi, ouais. Il a acquis une justice qui vient de la loi. Voilà. Et cette justice-là, pasteur, d'abord, une petite question. Est-ce que comme Christ a accompli la loi, nous ne devons pas être imitateurs de Christ pour chercher à accomplir la loi? Parce que lui, il a accompli la loi, là. Est-ce que ce n'est pas un exemple qu'il nous donne à nous pour que nous puissions aussi l'accomplir? Première question. Non, ça c'est une très bonne question, mais il l'a fait à notre place. Amen, amen. Il l'a fait à notre place comme sacrifice pour nous. Donc, il a pris notre place et il a subi, tu vois, le châtiment de nos péchés était tombé sur lui une fois pour toutes. Pour toutes. Alors, maintenant, nous sommes dans la cour de justice de Dieu. Nous avons été, on nous a condamnés. Oui. Il y a une évidence. Oui. Il n'y a pas de doute. Oui. Il y a des preuves que nous sommes coupables et que nous méritons la mort, la séparation avec Dieu, l'enfer. Alors Christ, maintenant, lui, parce que tu sais pourquoi nous méritons la mort, parce qu'on ne pouvait pas satisfaire la demande de justice de Dieu en obéissant à toute la loi. À toute la loi. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alors Christ est venu pas pour abolir la loi, parce que la loi n'était pas mauvaise. La loi, ça décrit, tu vois, le désir de Dieu pour nous. Alors, Christ est venu pour l'accomplir à notre place. Amen. Alors, il a satisfait la demande de justice de Dieu. C'est Dieu qui demandait cette justice. C'est Dieu, c'est la loi de Dieu qui nous condamnait. Et Christ n'a pas été condamné. Il était tenté en toute chose. Il n'a jamais péché. Alors, il a accompli la loi à notre place. C'est pourquoi, pasteur, tout ce que nous sommes, c'est à cause de Christ. Il est mort pour nous. Il a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs, sur lui. Tout le péché du monde était sur lui. Alors, il l'a fait une fois pour toutes. Donc, ce qu'il a traversé, il l'a fait pour nous. Pasteur, ce n'est plus nécessaire pour nous de le faire. Parce que pasteur, c'est pourquoi... Si lui, Christ, a accompli la loi, nous ne pouvons pas le faire. C'est impossible pour nous de le faire. On ne peut pas imiter Christ. C'est impossible de le faire. Il l'a fait pour nous. Parce que nous étions incapables de le faire. C'est ça la différence. Donc, on ne peut pas imiter Christ dans cela. On peut tout simplement accepter qu'il est mort à notre place et recevoir la justice de Dieu qui nous est imputée. Nous sommes déclarés justes sur base de la justice de Christ, sur base des œuvres de la croix. Amen. Ouais. Donc maintenant, c'est bien. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir vraiment expliqué sur ces points. Donc maintenant, je comprends que à nous, nous ne sommes pas capables, parce que même si nous arrivons à obéir à certains commandements, on n'arrivera pas à obéir à tous les commandements. On ne peut pas. On ne peut pas. Et les Moïse ont essayé. Vous voyez, Moïse, malgré tout ce qu'il a fait, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. Voilà. Parce que ce jour-là, tout ça, tout ça.
Donc, tu vas mourir, tu vas rester là. Donc alors, si bien que finalement, et c'est ce que je voulais dire, la justice que Jésus a acquise en tant qu'homme, parce qu'il était déjà juste en tant que Dieu, hein? Oui. Mais maintenant, en tant qu'homme, il va vivre et il va accomplir la loi et il est juste. Et cette justice-là, comme on était au tribunal là, on est fautif au-delà du doute raisonnable. Voilà. Jésus dit non, il faut l'acquitter parce que j'ai payé pour lui. En termes de justice, on peut comparer ça comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Parce que j'ai payé pour lui. Voilà la preuve. J'ai payé, donc il est juste. Donc, la justice de Christ nous est imputée. Oui. Nous est imputée. Donc, ça devient notre justice. Non pas parce que nous avons accompli quelque chose de bon, mais parce que nous avons accepté de prendre la justice que Dieu nous a offerte par Jésus-Christ. Sur base du fait que Christ, lui qui était juste, amen, était condamné à notre place, il a pris tous nos péchés. Amen. Toutes nos imperfections sur lui, alors Dieu, pasteur, c'est comme si, bon, ça c'est la Bible, pasteur. Oui. Ça c'est la Bible. Bon, je m'excuse, ce n'est pas un exemple très, très, parce que c'est la Bible. Bon, toi c'est toi, il y a le péché qui pèse sur toi, tu es condamné, tu as été déclaré coupable. Alors maintenant, Christ vient, lui qui n'est pas condamné, il prend tous tes péchés. Oui. Et il subit ton châtiment. Oui. Il subit ta punition. Il est mort. Il a expérimenté l'homme de douleur habitué à la souffrance. Mm-hmm. Il est mort. Et cette mort-là, c'est toi qui devais mourir. Amen. Maintenant, parce qu'il a subi tout ça, toi, tu es maintenant libre. Tu es déclaré juste. Tu étais condamné. Lui, il était juste. Il a été condamné, mais en le condamnant, il a satisfait la demande pour toi d'être justifié par Dieu. Et de facto, la Bible dit qu'il est devenu malédiction. Malédiction, à cause du péché, à cause de la loi. Et on l'a cloué à la croix, et on dit que maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Voilà. Donc, en cela, il nous a libérés, parce que c'est nous qui devions être à la place là. Voilà. Donc, il nous a libérés de la malédiction. Pasteur, je veux dire une chose. Oui. Bon, je vais utiliser une autre illustration. C'est comme si nous étions tellement endettés qu'on ne pouvait jamais s'en sortir. Exactement. Alors, c'était au-delà de nos capacités. Donc, il n'y a rien qu'on pouvait faire pour satisfaire Dieu. Tu vois? Et maintenant, quelqu'un vient dire, je vais payer toute ta dette. Amen. Il est venu là payer toutes nos dettes. Nous étions vraiment endettés devant Dieu. Mm-hmm. Une dette qui était, qu'on ne pouvait pas, c'était impossible. Mm-hmm. C'était impossible de payer cette dette. Et pasteur, tu sais quoi? Maintenant, Christ vient par sa grâce. Pas seulement il nous donne, il paie cette dette pour nous, mais il paie avec un prix qui est tellement, comment est-ce que je peux dire, avec un grand prix qui fait que dans ce qu'il a payé là, il y a toutes sortes de bénédictions pour nous. Amen. Et c'est ça, amen, la grâce. C'est ça la grâce. Amen. Donc, nous recevons plus que ce que nous devions donner, payer à Dieu que nous ne pouvions pas.
C'est pourquoi en anglais on dit amazing grace. Amen. Amen. En anglais, c'est quoi? En français, c'est quoi, pasteur? Amazing grace. Bon, c'est grâce. Alors, je dirais surprenante. Hein? Une grâce surprenante. Oui, oui. Une grâce qui nous a surpris. Qui nous a surpris. Qui nous dépasse, qui est qui tellement inimaginable, incroyable. Qui nous dépasse. C'est étonnante. Ça, c'est... Vous savez, pasteur, j'ai une expérience que je n'aime pas. Peut-être que c'est personnel, tu vois. Oui. Donc, je n'aime pas en faire une doctrine comme telle, mais quand même, j'encourage les gens. J'encourage les gens à expérimenter ça et à comprendre ça. Ça fait longtemps, très longtemps, au début de ma conversion, et j'étais là. Alors, le Saint-Esprit m'a enseigné beaucoup de choses. Mais un jour, j'étais surpris. Hein? J'étais dans mon lit et à un moment donné, c'est comme si j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, ne sers pas Dieu par crainte. J'ai dit, oh, j'étais là, j'ai dit, comment? Alors, je ne sais plus si j'ai posé la question ou la voix a continué. Elle dit, il faut servir Dieu par amour. Alors, je dis, ah. Et je pose la question maintenant, eh bien, maintenant, si on sert Dieu par crainte, la voix, parce qu'au départ, je pensais que hein, c'est moi-même qui, c'était juste de l'imagination. Hein. Alors, je dis, mais maintenant, si on sert Dieu par crainte, et j'étais surpris. Parce que la voix m'a répondu. Il dit, celui qui sert Dieu par crainte, il sauvera son âme. Oh. Et là, j'ai dit, mais maintenant, si celui qui sert par crainte est sauvé, mais alors, et celui qui sert par amour, et la voix me dit, celui qui sert par amour, sera appelé fils de Dieu. Mmh. Alors, c'est maintenant seulement, juste quand on a commencé à parler de la grâce, de la loi, j'ai compris que beaucoup de gens servent Dieu par crainte, c'est-à-dire ils sont toujours sous la loi. Fort malheureusement. Fort malheureusement. Ils sont toujours sous la loi. Alors, peut-être, bon, ils vont sauver leur âme parce qu'ils vont éviter de ceci, cela, et il va pleurer quand il a péché. Oh mon Dieu, ah, vraiment, je vais aller en enfer, il faut que je fasse un effort. Mais quand tu es sauvé par grâce et que tu comprends ça, maintenant tu vas servir Dieu. Parce que tu es le fils, tu es son fils. C'est ça, ça, c'est servir Dieu par amour. C'est servir Dieu par amour. Donc, moi, j'ai dit, bon, peut-être que c'était juste quelque chose que le Saint-Esprit a voulu me faire comprendre. Mais de temps en temps, je dis toujours, si nous tous, parce que même moi, pasteur, je ne dis pas que je suis arrivé encore à ce point-là où vraiment, je sers Dieu par amour, mais c'est ça que je vise. Si on peut maintenant dire, je sers ce Dieu-là qui m'a tant aimé, ce Dieu-là qui m'a sauvé, ce Dieu-là qui m'aime, ce Dieu-là qui a donné son Fils, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions, et par amour pour lui, je vais faire le bien, je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais l'adorer, je vais le louer, je vais témoigner, je crois que ça changerait beaucoup de choses. Oui, pasteur, tu sais, ce qui est, je ne peux pas dire malheureux, mais ce qui n'est pas, bon, ce qui peut-être malheureux, parce que par manque d'un bon mot, c'est qu'il y a des chrétiens
qui sont vraiment sauvés par la grâce. Mais malheureusement, ils vivent sous la loi. Sous la loi. C'est pourquoi il y en a qui servent Dieu par crainte. La crainte, oui. Parce qu'ils sont toujours sous cette dispensation de la loi. Ouais. Ils pensent que Dieu est très, très strict. Alors, il est là pour frapper dur. Il est là lorsqu'on rate quelque chose. On va perdre sa bénédiction. C'est comme les gens, des choses, par exemple, des petites choses là. Oh, aujourd'hui, je n'ai pas fait ce qu'on appelle daily quiet time, c'est-à-dire je n'ai pas lu ma Bible chaque jour. Alors, j'ai dit, bon, oh, comme je n'ai pas lu la Bible, comme je n'étais pas en communion avec mon Dieu aujourd'hui, j'aurais une mauvaise, une mauvaise journée. Des mauvaises choses vont m'arriver. Mais ça, c'est archi faux. Oui, oui, parce que Dieu, ce n'est pas notre performance qui nous fait acceptable à Dieu. Mais c'est Jésus. Nous sommes les fils et les filles du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alors, il est notre Père. Il nous a donné l'esprit d'adoption. On n'a même pas encore même parlé en profondeur de l'implication de cette adoption que nous avons en Christ. Amen, amen. Qu'est-ce que cela veut dire que nous sommes des co-héritiers avec Christ? Amen. Parce que, pasteur, lorsque on continue à lire le verset qu'on vient de lire, oui, à Galates 23 jusqu'à 25, tu vois, ce qui est dit là, c'est ceci, qu'à l'origine, Dieu a donné la loi aux Juifs en vue de leur montrer leur besoin de Christ. Mais maintenant que Christ est déjà venu, nous n'avons plus besoin de la loi. Nous n'avons plus besoin de vivre comme des pharisiens. Parce que les pharisiens servaient Dieu avec, dans la terreur, dans la peur. Oui. C'est pourquoi ils avaient des lois et autour des lois, ils mettaient aussi d'autres lois et ils voulaient protéger la loi. C'est pourquoi ils étaient très, très stricts. Tu vois, alors ils servaient Dieu comme tu venais de le dire. Et c'est là où Paul était. Il pensait qu'il servait Dieu, mais il le faisait sous la loi. Amen. Alors maintenant, nous voyons sa conversion. Il est allé de la loi à Christ. À Christ. Et c'est lui maintenant qui nous dit ces choses. Donc, voilà. Wow. Voilà. Alors, pasteur, ce que tu avais dit là, d'après ton expérience, oui, on ne peut pas faire, par exemple, d'une expérience personnelle, une doctrine, mais je peux dire que dans ce que tu as dit là, il y a une vérité spirituelle. Amen. Servir Dieu sous la crainte, servir Dieu par amour. Amour. Pasteur, si je le fais par crainte, c'est-à-dire je le fais sous la loi. Sous la loi. Alors, si je le fais par amour, c'est une réponse à mon Dieu, celui qui m'a aimé tant. Oui. Il est mon Dieu. Je développe une relation intime avec mon Dieu. Amen. Je le sers parce que je l'aime. Amen. Je ne le sers pas par peur d'être encore puni. Amen. Je ne le fais pas correctement. Et pasteur, d'ailleurs, Jésus-Christ, vous savez, quand Jésus est revenu vers Pierre, il lui a demandé trois fois, m'aimes-tu? Oui. Ah, tu vois, non? Oui. M'aimes-tu? Alors, ceci, paie mes brebis, tout ça, prends-moi, m'aimes-tu? Donc, vraiment, ça, c'est ça, Dieu veut que nous les servions par amour, sachant qu'il nous aime. C'est lui, notre Père. Il nous a sauvés. Dieu n'a pas besoin d'esclaves. Il a besoin des fils. Wow. Il a besoin des filles. Voilà. Bien-aimés, Dieu a besoin des filles et des fils et non point d'esclaves. L'esclave, c'est celui-là qui va servir dans la peur, dans la crainte. Tandis que le fils va servir par amour et dans l'amour de son Père. Alors, vous savez, bien-aimés, nous devons vraiment comprendre que Christ nous a libérés.
Christ nous a libérés et nous devons accepter cette délivrance-là. Nous devons accepter le sacrifice de Christ que lui, il a accompli pour nous et avoir foi en cela afin que sa vie et sa justice se manifestent en nous de telle manière que Dieu va nous regarder, non pas tel que nous sommes, mais il nous regarde tel que Jésus est. Voilà, pasteur, je vais lire les quatre versets qui restent et puis on va continuer. Alors, il est dit ceci, je vais commencer par le verset 26. Il est dit, car vous êtes tous, en Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi, pas par la loi, mais par la foi en Christ. Tout c'est en Christ. Et puis, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Alors, 28, il est dit, il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et conclusion, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham qui avait cru en Dieu par la foi et ça lui a été imputé comme justice. Il est dit aussi, en tant que nous sommes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Selon la foi, la grâce, la promesse qui était donnée à Abraham. Pasteur, alléluia. C'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, vraiment, pasteur, je bénis le Seigneur. Je loue Dieu. Et, pasteur, maintenant, qu'est-ce que vous diriez aux nombreux frères, aux nombreuses sœurs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, comment ils doivent vivre maintenant? Comment doivent-ils vivre leur vie chrétienne pour être sous la grâce, pour vivre une vie sous la grâce? Mais avant que vous continuiez, je vais lire un verset. Voilà. Ou deux versets. Nous allons lire un peu Jean au chapitre 6. À partir du verset 28, on va lire verset 28 et verset 29. Pasteur, vous pouvez lire? Jean, chapitre 6. 6, 28. 28 à 29. Et 29. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Est-ce que, pasteur, est-ce que à partir de là, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos bien-aimés qui veulent servir Dieu? Comment ils doivent vivre? Comment ils doivent servir? Parce que là, Jésus dit quelque chose. C'est comme un mystère, ce qu'il dit là-bas. Ouais. Qu'est-ce que nous devons faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et puis Jésus dit non. Croyez en moi. Alors, ce que je veux dire, ce sont les enseignements encore de Paul. Amen. Dans son épître aux Philippiens, là où il parle, il dit que pour moi, vivre, c'est Christ. C'est Christ. Et mourir, c'est un gain. C'est un gain. Là, c'est le chapitre 1, verset, je crois, 21. Et chapitre 2, verset 5, il dit, « Soyons des imitateurs de Christ, que ce qui était est en vous, le sentiment qui était en Christ. » Qui était en Christ. Et il continue encore au chapitre 3, verset 10, il dit que son but maintenant dans sa vie,
c'est de connaître. Être. Amen. Et la puissance de sa résurrection. Amen, 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 amen. Et etc., etc. Donc, donc, le but pour nous, parce que Christ dit ceci, je ne veux pas que ça nous échappe. Jean chapitre 6, verset 20, il dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui est l'équipe de Christ. Croyons, croire en Christ, ce n'est pas seulement je crois que Christ a existé. Crois en son enseignement. Crois Amen. En ce que Christ a accompli. Mm-hmm. Suivre Christ. Ressembler à Christ. Amen. Donc, Christ devient le sujet, l'objet de notre vie. Mm-hmm. Parce que Paul a dit que pour moi, vivre, c'est Christ. Si Christ. Jamais, ça, c'est dingue. Hein? Donc, en fait, c'est ce que nous devons faire en tant que chrétien maintenant, oui. C'est être, comment on peut dire, focalisé oui. sur Christ, oui. mettre notre attention sur Christ, voilà. croire en l'œuvre de Christ, oui. chercher à le connaître. Oui. Donc, quand tu lis la Bible, il ne faut pas lire la Bible pour que... Mais il y a mon petit frère qui me disait qu'il connaît quelqu'un qui il dit, « Ah, frère, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, pasteur, j'ai lu la Bible parce que je cherche des passages pour aller prêcher. » Non. Lis la Bible pour connaître Christ. Voilà. Le connaître, le louer, le glorifier. Amen. Et parce que celui, notre Seigneur. Amen. Et nous sommes ses sujets. Amen. Christ, c'est l'objet, c'est le sujet. Je peux dire, c'est le sujet, le verbe et le complément. Et le complément. Oui, oui. Donc, cette parole, ça a à faire avec Christ, pas avec nous. Ça n'a rien à voir avec mon petit témoignage. Amen. Qu'est-ce que Paul avait dit? Mais il a dit quoi en Philippiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Il dit que si je peux m'enorgueillir, ben, j'ai beaucoup de raisons. Je considère, mais maintenant... Je suis concis, regardez mon héritage, regardez ce que j'ai accompli. Tout cela que je considérais comme gain, ce sont des excréments. Pourquoi j'échange ça avec la valeur de connaître Christ. Amen. Pasteur, ça doit être notre objet. Amen. Donc, nous devons nous spécialiser, et je veux dire un mot théologique, dans la christologie. Amen. Étudier Christ. Connaître Christ. Donc, connaître la science Christ. Même de Christ. Et puis, pasteur, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que beaucoup de gens ignorent. Lorsque Christ est mort, oui. Nous sommes morts avec lui. Amen. Lorsqu'il était enseveli, nous étions ensevelis avec lui. Amen. Nous sommes ressuscités avec lui. C'est ça le symbole du baptême. Baptême. Nous étions baptisés. Baptême. En Christ. C'est-à-dire, la Bible dit encore une fois que nous sommes une nouvelle créature à cause de Christ. Amen. Donc, tout commence avec Christ. Ça termine avec Christ dans l'éternité et partout c'est Christ, en Christ, en Christ. Nous ne pouvons rien faire, pasteur, en dehors de Christ. Alléluia. Pasteur, avant que je peux oublier, je voulais quand même, quand tu voyais, quand on se préparait pour le programme, il y a un point qui m'avait un peu... toucher la mémoire, c'est le point de la dîme. Il y a beaucoup d'enseignements sur la dîme. Il y a même des gens qui demandent aux chrétiens, hein, d'abord, de sortir des églises de bâtiments, hein, parce que dans le Nouveau Testament, on ne voit pas un bâtiment qu'on appelle l'église. Donc, les chrétiens doivent sortir des églises bâtiments. Ensuite, ils doivent arrêter
et de payer la dîme ou de faire la dîme. La raison... Alors là, je voudrais déjà dire que il ne faudra pas qu'on mélange les choses. Si je prends Luc, attendez. Attendez un peu. J'espère que la Bible ici est... contient toutes les pages. Je vais voir un peu. Si c'est Luc. Ce qu'on dit ici. OK. C'est Matthieu plutôt. Si je prends Matthieu, Matthieu 23, au verset 23, Matthieu 23, verset 23, ça c'est la parole de Jésus-Christ qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Et voyons maintenant comment le Seigneur Jésus termine. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc là, Jésus-Christ dit que non, ne vous limitez pas aux dîmes. Pratiquez ça, mais ne négligez pas la dîme ou les dîmes, parce qu'il y a beaucoup de dîmes qu'on mentionne ici. Donc déjà là, le Seigneur dit ne négligez pas. Donc Jésus-Christ n'a pas dit arrêtez avec vos dîmes là, ne faites plus ça, mais il dit faites ceci, la justice, la miséricorde, mais sans négliger les autres choses, comme la dîme. Donc, bien-aimés, ne soyons pas troublés, ne soyons pas dans la confusion. Quand nous venons dire que nous sommes plus sous la loi, on est sous la grâce, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire vos dîmes, parce que la dîme a commencé bien avant la loi. La dîme a commencé avec Abraham. La dîme a commencé avec Abraham. On parle de lui comme le père de la foi. Et il a fait la dîme. Il n'y a personne qui lui avait dit, tu dois faire la dîme. Non, lui-même. Lui-même. Il a décidé. Il a pris, il a fait la dîme à Melchisédek. Lui-même. Et la loi est venue bien après. Voilà. La loi a incorporé ça dans les préceptes. Mais voyons encore qu'est-ce que Galates nous dit concernant la loi et les choses qui étaient avant. Je crois que c'est toujours dans Galates. On a lu Galates 2, hein? On était à Galates 3. Hein? Voilà, oui, on parle de Galates. Attendez un peu. Galates 3, on dit ceci à partir du verset 17. Pasteur, vous pouvez lire un peu parce que. Qu'est-ce qu'il dit? 3, 17. Alors, lisons. Galates 3, 17. Il est dit: voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmé antérieurement, ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 400 ans, 430 ans plus tard. Dieu dit que s'il y a une disposition qu'il a établie, qu'il a déjà fait, et ce n'est pas quelque chose, la loi qui vient après ne va pas annuler cette disposition-là.
Or, nous voyons que la dîme qui a commencé par Abraham a été établie par Jacob. Jacob, il a promis la dîme à Dieu, tout ça, et la loi n'était pas encore là. Donc, quand nous disons que nous devons sortir de la loi, nous ne disons pas qu'il faut cesser de payer vos dîmes dans vos assemblées, dans vos églises. Non, non, non. Je crois que c'est juste pour nous les chrétiens de payer notre dîme. Malheureusement, la dîme n'était pas pratiquée dans l'église primitive. Ça, c'est un fait. Mais on aura l'occasion d'en parler plus tard. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons parler de ça. La dîme n'était pas pratiquée dans l'église primitive. L'église primitive pratiquait les libéralités, hein, les dons, la générosité. Oui, mais ils donnaient, et même plus que la dîme. Hein, donc, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre une raison, dire que ah, le pasteur, André dit qu'on n'est plus sous la loi, alors on ne donne plus la dîme. Non, ce n'est pas ça que nous disons. Abraham l'a fait par la foi. Si toi, tu es héritier d'Abraham par la foi, je pense que tu dois encore continuer. Tu dois continuer à pratiquer la dîme. Pasteur, je crois que je peux dire quelque chose. Je crois que ça ne va pas créer de problèmes. Non, être sous la loi, cela ne veut pas dire que, comme on avait discuté, cela ne veut pas dire que ça nous libère de faire des œuvres qui plaisent à Dieu. Bon, par exemple, si on dit qu'on ne peut plus donner parce qu'on n'est plus sous la loi, pasteur, lorsqu'on parle de la loi, on ne peut pas choisir ce qu'on ne veut pas. Par exemple, la loi nous dit, en Exode, la loi nous dit clairement, tu ne commettras point d'adultère. Maintenant, toi, tu maintenant, nous sommes sous la loi, on devra les conduire commettre l'adultère. Non, la loi n'était pas mauvaise. La loi, ça nous montrait la volonté de Dieu. Exactement. On ne peut pas se cacher sous la loi pour ne pas donner. Alors, il y a des exemples dans la Bible où les gens donnaient. Bon, c'est tout ce que je voulais faire, je voulais dire par là. Donc, on ne peut pas tout simplement dire que maintenant on est sous la loi, on est libre de choisir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas faire. Non. Parce que si on joue ce jeu-là de choisir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, parce qu'on est sous la grâce maintenant, en ce qui concerne la loi, donc, on finit par ne plus croire en Dieu. C'est vrai. Parce que la loi n'était pas mauvaise. C'est ce que Christ a accompli cette loi-là pour nous. Oui. Alors, nous sommes sous la grâce. Oui. Mais sous cette grâce-là, je dois toujours m'abstenir de commettre l'adultère. Oui, mais pasteur, je dirais encore ça d'une autre façon. Ouais. La même chose que vous dites, mais d'une autre façon. Voilà. La loi est là, la loi elle est bonne, la loi elle n'a rien de mauvais. Ouais. Sauf que moi j'étais incapable. Voilà. Maintenant il y a quelqu'un qui vient m'aider. Ouais. C'est lui-là qui vient m'aider, accomplit ça. Voilà. Et puis il est en moi. Alors ce n'est plus moi qui vais accomplir ça. Voilà. C'est lui qui va accomplir cela. C'est lui qui va. D'ailleurs, en d'autres termes, Paul est en train de dire que Christ est pour l'espérance de la gloire. Amen. Nous avons été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Alors, ce que nous ne pouvions pas faire, accomplir. Mais lui le fait. Il le fait au travers de nous. Absolument. Et c'est sa justice qui nous a imputée. Absolument. Nous sommes justifié. Absolument. Voilà. Donc, laisse Christ accomplir cela en toi. Voilà. Si Christ peut faire la dîme en toi, laisse-le faire. Gloire au Seigneur. Si Christ peut aimer, si Christ
peur, ne pas envier, ne pas commettre. Laisse-le. Et c'est ce que nous devions vivre, pasteur. Nous sommes morts. On parlait de croire. On dit que leurs œuvres, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Amen. Alors, celui qui l'a envoyé, c'est qui? C'est Christ. Il est mort pour nous sur la croix de Golgotha. Alors, nous devons nous considérer nous-mêmes morts et vivants en Christ. En Christ. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà. Les efforts, là, les efforts. Les efforts. Tout ce que Dieu a annulé, c'est ton effort. Il ne veut pas de ton effort. Maintenant, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Qui t'aide à vivre cette vie. Parce que je veux faire aussi une chose. Je veux dire aussi une chose. La vie sous la loi, la demande de cette vie sous la loi, c'était une vie qui nous dépassait. C'était une vie surnaturelle, en quelque sorte. À cause du péché. Absolument. Et maintenant, cette vie-là, humainement parlant, on ne pouvait pas la vivre. Non. Mais maintenant, avec Christ, on peut le faire. Amen. On peut le faire. C'est Christ qui le fait au travers. Amen. Alors, maintenant, notre focus, ce n'est plus les choses, l'énumération de la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras plus ça, tu ne fais. Notre focus, c'est Christ. Voilà, il est devenu notre vie. Voilà. Et Christ, notre vie, lui-même, sans que nous puissions trop, lui accomplit ces choses-là. Voilà. Voilà comment ça va. Alors, c'est lui qui vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, nous n'avons pas commettre l'adultère. Nous n'avons absolument. Pas. Parce que Christ vit en nous. C'est lui absolument. Qui donne cette force-là. Et puis. Ça dépend, c'est lui, ce n'est pas nous. Ça ne dépend pas de nous, de nos propres efforts. Amen. Et chaque fois, pasteur, nous mettons Christ à l'écart et nous voulons le faire encore une fois. Même, voilà. Selon nos propres efforts, nous tombons. Et nous rentrons sous la loi. Et beaucoup de serviteurs de Dieu ont succombé. Absolument. Parce qu'à un moment donné, ils pensaient que parce qu'ils jeûnent pendant 80 jours, parce qu'ils font ceci, ils font cela, ils étaient... Mais il y en a qui ont succombé parce qu'ils n'ont pas compris le secret de la victoire. C'est Christ, Christ. Qui est le secret. C'est Christ. Amen. Qui nous donne la victoire de vivre cette vie chrétienne. Amen. Voilà. D'une façon. Et pasteur, je crois que là, c'est un point important et je crois qu'on va terminer par là. Oui. Notre prière est que vraiment que nous puissions connaître Christ comme notre vie. Amen. Que ça soit la vie, sa vie qui nous fait marcher. Il y a un chant là qu'on chantait, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus. Donc, c'est ça. Quand Christ devient notre vie, là, c'est la libération totale. Et notre vie, c'est ainsi que... je ne veux pas commenter encore. On va commenter la prochaine fois. Mais nous devons connaître Christ comme notre vie. Voilà. Et là, c'est vraiment ça, la libération. On va prier. Pasteur, je voulais suggérer une prière que Dieu puisse. Tu vois, ces enseignements ne sont pas faciles à digérer. C'est vrai. Il y en a qui disent que c'est tellement élémentaire, mais c'est ça l'essentiel. Et c'est ça la bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont en train de vivre une vie de condamnation. Mmh. Ils sont en train d'être contrôlés par leur passé. Mmh. Alors, Paul nous dit, oublions tout ce qui est derrière nous, les mauvaises choses que nous avions faites, même les bonnes choses. Maintenant, notre but, c'est quoi? C'est connaître Christ. Connaître Christ. Il est devant nous, nous allons fixer nos yeux. La parole de Dieu dit que nous devons fixer nos yeux sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Christ et Christ seul. S'il y a quelqu'un sur qui tu es en train de focaliser, autre que Christ, chers frères et sœurs, je vous dis, ôtez vos yeux
de cette personne-là focalisée sur Christ et Christ seul. Amen. Parce que nous connaissons des serviteurs de Dieu qui avaient peur de leur dirigeant. Parce qu'ils pensaient que bon, c'était... Bon, on a fini par là parce que je ne veux pas aller dans tous les détails. Okay. Nous devons être fascinés par ce que Christ est et ce qu'il a accompli. Et ça vient d'une idée. Je prie pour l'esprit de révélation que Dieu nous révèle. Amen. Ce n'est pas aussi simple que ça. C'est ça la vérité. C'est Amen. Voilà. Amen. Vers Jésus, lèvez les yeux, contemplez son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus tes yeux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Seigneur, nous te prions pour une révélation, Seigneur, révélation auprès de tes enfants. Révèle-toi, Seigneur Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que chacun de nous puisse arriver à réaliser que toi, Seigneur, tu cherches, Seigneur, à ce que tu grandisses en nous, que tu grandisses en nous, Seigneur, et que tu deviennes pour chacun de nous notre vie. Parce que c'est ça, Seigneur. Tu es notre vie, mais nous ne le réalisons pas. Ce n'est pas que tu vas le devenir, mais Seigneur, je prie que tes enfants, que nous sommes, puissions réaliser que Christ est notre vie et que cela, par la puissance du Saint-Esprit, devienne une réalité, Seigneur, une réalité, et que la vie de Christ puisse mettre à mort en nous tous les membres du péché. Alléluia, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à ton nom, ô Dieu. Merci d'étendre ta main, de veiller sur ton peuple, de veiller sur tes enfants. Sois béni, sois loué, sois glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Il faut que je prenne ce numéro, cet appel. Que tu vous bénisses. On va parler plus tard.